femme qui nous raconte qu'une fois, elle et sa sœur, qu'ils étaient encore petites, ils marchaient pour aller chez eux. Et voilà, Rabbi Hippito, il arrive. Et toutes les femmes qui se cachent, et il y a eu des femmes qui étaient courageuses et venaient demander des brachot. Alors, la maman de ces deux petites filles, elle leur dit, allez demander une bracha au tzadik. Alors, une des sœurs, elle voyait, l'autre était aveugle. Elle est née aveugle. Alors voilà, ils arrivent chez Rabbi Hippito. Rabbi Hippito leur fait une bracha. Il voit que une des deux ne voit pas. Il dit, dis-moi, tu es aveugle? Oui, tu es aveugle. Alors comment tu vas te marier? Elle n'a pas été petite, elle n'a pas répondu. Il lui dit, ah ben, Ezat Hashem, demain tu vas retrouver ta vue. Demain tu vas retrouver ta vue. Et c'était vendredi. Sa mère était en train de préparer le Shabbat. À un moment donné, la maman, elle entend sa fille, c'est qu'elle est aveugle, qui dit à sa mère, maman, ferme la porte, parce qu'il y a un chat qui est rentré. Elle dit à sa fille, tu vois? Elle dit, oui, maman. La prière de Rabbi Hippito qui m'a promis hier que je vais commencer à voir, voilà, je vois.